стадион. На траву выходит он, сине-бело-голубой. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue bonsoir. Sur ce live. Bonsoir. Alors ce jeudi soir, c'est un live de guidance. Mathilde va répondre à une question précise par personne. Donc vous commencez à avoir l'habitude. Vous mettez votre prénom, votre date de naissance, votre question précise hors santé, hors grossesse. Et Mathilde va tirer les cartes pour vous aider un petit peu. Bonsoir à ceux qui sont déjà là. Brandon, par exemple, qui a déjà une question apparemment. Bonsoir Brandon. Tu es au taquet. Pour ceux qui nous entendent et qui ne savent pas commenter le live, c'est normal, il faut rejoindre le groupe au pays des lives. Les admins Modo sont au taquet sur vos demandes d'adhésion, ils acceptent directement. Et ensuite, vous pouvez commenter le live. Alors, on prend directement la question de Brandon. Et après, non, on commence non à discuter. Brandon, Marie, Stéphanie, on est harcelé de questions, ça y est. Non, vous l'avez attendu ce live. Bon, juste pour faire un petit peu le point sur ce que fait l'asso ces temps-ci, on a repris le marché de Saint-Paul dans l'Oise dimanche dernier, sous le soleil et le vent. Merci à Sandrine qui est venue nous voir et à d'autres personnes dont j'ai oublié les prénoms. Je suis désolée, j'espère que vous ne regardez pas. Dans 15 jours, on retourne à Saint-Paul le dimanche matin. Le jeudi 31 octobre, il y aura un live débat avec un repas de la Samin. La Samin, c'est ce qui est maintenant appelé Halloween. Donc, ce sera un repas à base de citrouille au siège de l'association. Il y a une dizaine de places, donc inscrivez-vous vite si vous voulez participer. Avez-vous de l'écho? Écho, écho, es-tu là? Bonsoir Oriane, Aurélie, Sylvia, Stéphanie, Lorenzo. Bonsoir à tous. Ouais, non, dites-nous si vous avez de l'écho. Et de toute façon, on ne changera rien, il y en a toujours eu. Voilà, maintenant c'est notre pote, c'est pas grave. En octobre, c'est plutôt calme donc. Après, en novembre, on va le 17 novembre sur un petit marché dans un petit village de l'Oise. Le 30 novembre, un gros marché de Noël. Le 1er décembre, un gros marché de Noël aussi à Mouy. Après, le 4 décembre, la permanence, etc., etc., etc. Il y a plein de choses. On est déjà... C'est bon, il n'y a plus d'écho. Ah, parfait. On est déjà même en vrai sur les marchés, les fêtes médiévales de l'année prochaine, carrément, pour vous dire. Aujourd'hui, on a envoyé notre dossier de candidature à une fête qui aura lieu en avril. Pour vous donner un petit peu une idée de l'organisation que ça nous demande. Donc, j'ai peut-être assez parlé, non? Pas encore? Si. Si. Il n'y a plus d'écho, bon, c'est bien. Alors, reprenons dans l'ordre. La première question de Brandon. Bonjour, ça va, le 13 avril 99, Brandon. Mes contrats vont-ils durer dans le temps, ces contrats de travail? Bonsoir, Brandon. C'est parti. Alors pour moi, au niveau des contrats, on a quand même quelque chose qui va dans le temps. Par contre, sur l'hiver, on a une petite baisse, comme s'il y avait eu un accrochage, il y a quelque chose qui se profile, qui va pas être génial et qui va te faire remettre beaucoup de choses en question. Mais pour moi, c'est vraiment que passager. C'est pas quelque chose qui va plus impacter que ça. De l'autre côté, pour moi, oui, tu vas sur la continuité. C'est pas sur du court terme. Hein. On est bien sur quelque chose qui va dans le temps et où on prend les appuis, où on prend tout pour vraiment bien avancer, bien positionner surtout. Alors la question suivante est pour Marie, enfin Marie-Josée qui est née le 4 décembre. Va-t-elle obtenir son diplôme d'auxiliaire de vie pour avril suite à la formation qu'elle va débuter prochainement? Bonsoir Marie. Donc Marie-Josée le 4 décembre.
Pour moi, au niveau de sa formation, elle s'est obtenue, Marie. On a quelque chose qui se met en place bien comme il faut. Il y a l'appui d'une femme derrière, comme une directrice, une chef, quelqu'un qui appuie pas mal par rapport au travail que tu peux fournir et qui, là-dessus, atteste que oui, tu travailles bien, que cette formation doit être délivrée. Parce que pour moi, il n'y a pas de choses négatives du tout là-dedans. On a la réussite qui arrive. Ça traîne un peu trop à ton goût, mais on a quand même cette réussite qui est là, hein. Alors, je me permets une petite parenthèse. Jessica Harley, tu poses deux questions directement sur le live. C'est une question par personne. Et ta deuxième question concerne en plus Marie-Josée, qui a déjà aussi posé une question. Donc, je prends la première que tu as posée. Si tu ne veux pas que ce soit la première, il faut l'écrire en commentaire. Mais vraiment, c'est une seule question par personne. Déjà, Mathilde répond gratuitement. Ça lui demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande à nous tous de l'organisation. C'est vraiment gratuit, Mathilde ne gagne rien à faire ça, hein. Juste la satisfaction éventuellement d'aider les gens, donc pas d'abus. Après, vous pouvez passer sur le site, il y a l'adresse internet devant nous. Il y a une question gratuite, Mathilde y répond, c'est par mail, c'est une question par mois, par personne. Après, il y a la question à 5 euros avec une réponse plus détaillée, donnée aussi par Mathilde. Et ensuite, il y a les consultations de voyance en 30 et 60 minutes. Toutes les infos sont sur le site. Alors, la question suivante vient d'Eva qui demande si professionnellement elle va réussir. Elle est ostéopathe et elle est née le 2 août. Eva. Bonsoir Eva. Où est-ce que m'a dit Aurélie? Pour moi, il y a la réussite sur ton domaine professionnel. Par contre, il y a encore de la lenteur, il y a encore pas mal de choses à mettre en place comme tu le souhaiterais. Pour moi, la route, elle te paraît très longue, mais on a quand même cette réussite qui est présente. On a énormément de travail, beaucoup de fatigue aussi qui va ressortir. Mais cette fatigue, pour moi, elle est plus passagère, elle est plus en rapport avec l'automne au niveau du temps à ces niveaux-là. Mais pour moi, oui, tu obtiens ce que tu veux sur ton domaine professionnel. La prochaine question vient de Andy, qui est né le 5 février. Va-t-il trouver un travail? Bonsoir Andy. Pour moi, il y a surtout un besoin d'examiner la situation, comme si tu savais plus trop où tu voulais aller, comme s'il y avait une notion de vouloir commencer des choses fort. Je me permets de dire je, mais en fait, c'est nous tous. Nous voulons te remercier, Amandine, pour le retour que tu fais suite à une guidance que Mathilde a faite pour toi il y a quelques semaines. Je ne sais pas quand c'était, je ne vais pas chercher. Mais voilà, Mathilde t'avait annoncé quelque chose et tu nous fais un retour dessus, c'est vraiment agréable. Je crois qu'il y a un problème, on a perdu la dernière guidance qu'elle vient de faire. Ah, celle de Andy. Donc, parce que ça a coupé et c'est revenu sur toi. Donc, essayez de voir. Refaisons Andy par précaution. Donc, Andy, le 5 février, va-t-il trouver un travail? Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Ça coupe. On est le 17. 2. On va avoir la même
choses. Hein. 7. C'est pour voir s'ils sont attentifs. Donc moi, pour Andy, il y a bien la notion de travail qui s'installe, la notion d'examiner la situation, la notion de prendre du recul qui est présente, la notion de se poser beaucoup de questions, et ça pour moi, ça traîne fin d'automne, début d'hiver, on me confirme, où là-dessus, il prendra une décision, il partira ensuite sur une formation pour moi qui durera quelques temps, c'est pas une très longue formation de ce qu'on me donne en temps, mais quelque chose où ensuite il ira vers un emploi et cet emploi lui permettra vraiment de se trouver, vraiment d'être dans le bon chemin surtout. Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrivera par la suite, mais il y a la notion d'apprendre autre chose en même temps. Donc bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur le live de Guidance. Alexia, tu es une fille, nous sommes ravis de le savoir. Non, Aurélie, je rigole, hein, mais tu poses une question pour un couple. En fait, tu as oublié, mais je ne l'ai pas rappelé, de mettre le prénom et la date de naissance de l'autre personne du couple. Quand vous demandez sur un avenir sentimental, je m'adresse à tout le monde, hein, quand vous demandez sur un avenir sentimental, si vous êtes célibataire, précisez-le. S'il y a une autre personne concernée, que vous soyez en couple, que vous ne le soyez pas, que voilà, si une autre personne est concernée, il nous faut aussi son prénom et sa date de naissance. Donc, maintenant, Natacha. Natacha du 7 février. Bonsoir, Natacha. Il va y avoir une réévaluation de son taux d'invalidité. Est-ce que ce sera positif? Alors, Natacha, son taux d'invalidité. Pour moi, son taux au départ, c'est un peu compliqué pour le réévaluer positivement. On a quand même quelque chose où il y a une convocation, il y a une notion d'entretien qui se fait pour pouvoir l'augmenter un petit peu plus. Mais je n'ai pas une grosse augmentation comme elle pourrait l'espérer, attention là-dessus. Hein. Parce que pour moi, il y a quand même une réussite sur quelque chose qui au départ part pas très favorablement et ensuite pour moi, on obtient un peu plus quand même. Mais il y a un rendez-vous, il y a une notion d'expliquer le pourquoi, enfin... Il faut vraiment argumenter là-dessus pour moi, afin d'obtenir ce que tu souhaites. Ce soir, c'est un peu le bazar, honnêtement, hein, je vous le cache pas, parce que là, je vois des commentaires, il va m'arriver quoi? Qu'est-ce que ça me réserve? Enfin, il faut mettre une question, il faut mettre votre prénom, il faut mettre votre date de naissance. On en est à je sais pas combien de lives qu'on fait. Admettons que ce soit votre premier live, mais il faut mettre, quand vous regardez les autres commentaires, vous voyez bien, on met le prénom, la date de naissance, et on pose sa question précise. Là, Mathilde, elle ne fait pas des voyances complètes, parce qu'une voyance complète, c'est personnel. Ça prend encore plus de temps, encore plus d'énergie, et forcément, même si on a une association, il y a un moment, on ne peut pas tout faire gratuitement. Donc, si vous voulez une voyance complète, il n'y a pas de problème. Vous allez sur le site internet, il y a tout qui est expliqué. Mais là, c'est une guidance, donc il faut vraiment essayer d'être cool avec nous, surtout avec Mathilde. Et voilà, vous mettez votre prénom, votre date de naissance. Donc, si ça concerne une autre personne, le prénom et la date de naissance de l'autre personne. Et vous posez votre question simple. Parce qu'on ne va pas y arriver. Hein. Je voulais dire un autre truc, du coup, je ne sais plus. Mais ce n'est pas grave, ça me reviendra, je vous gronderai encore, attention. Alors, Juliette a bien posé sa question. Bravo, Juliette, merci. Non, merci à tous ceux qui s'appliquent. Honnêtement, il y en a quand même pas mal qui s'appliquent bien. Mais ce soir, il y a un peu de laisser aller. Peut-être que je n'ai pas assez grondé il y a 15 jours.
Alors, bonsoir, Juliette. Juliette est née le 29 avril. Va-t-elle réussir son concours? Alors, bonsoir, Juliette. Et pour ceux qui s'inquiètent de ne pas poser de questions, de ne pas savoir quoi poser, c'est pas grave. C'est bien même, c'est bien. Vous pouvez avancer sans guidance, c'est super. C'est un concours de gendarmerie. 7, 8, 9, 10, 10, 11, pour moi, au niveau du... Voilà, tu peux reprendre. Même s'il n'y a pas... beaucoup de place là-dedans, on a quand même quelque chose où on arrive à obtenir ce qu'on souhaite, surtout. Donc pour moi, c'est favorable à son concours. Alors, la question suivante est de Sabrina. Sabrina, elle est le 21 novembre, elle demande si elle aura un enfant un jour. Alors, je crois que... Enfin, Mathilde va préciser. Là, je ne vais pas pouvoir te répondre sur la longue durée, puisque c'est une guidance. Donc, en guidance, je vais m'arrêter sur quand même du court terme, c'est-à-dire maximum une année. Au-delà, je ne pourrais pas te répondre. Après, c'est de la médiumnité, et ça, c'est en consultation uniquement. Du coup, est-ce que tu veux quand même lui répondre? Je vais regarder si dans, sur un an, il y a quelque chose. Mais après, s'il n'y a rien, je ne pourrais pas aller voir davantage. Et désolée pour toutes les petites coupures qu'on a ce soir, on a Internet qui fait des siennes. Je vais reprendre le prénom, c'était... Sabrina, le 21 novembre. Sabrina, 21 novembre. Est-ce qu'il est une princesse ? Oui, il y a une question de Stéphanie. Sabrina, 21 novembre. 6. Là, dans le tirage, moi, j'ai absolument pas de grossesse qui ressort. On est plus sur quelque chose où on parle de transformation, on parle de se retrouver, on parle de mettre des choses en place pour soi-même, pour vraiment être dans quelque chose plus posé, plus cadré, et enfin retrouver un certain équilibre qu'elle n'avait plus ou qu'elle n'a plus. Mais pour moi, on n'est pas dans la grossesse du tout sur une année, là. Mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas plus tard. Plus tard, c'est possible, mais sur un an, moi, j'ai rien. Alors... Alexia, tu as Adeline, apparemment tu as vraiment du mal avec le commentaire. Pour l'instant, je ne peux pas prendre ta question parce qu'elle n'est toujours pas complète et je vais me lasser. Stéphanie, ta question concernant Gérald, ton mari, ça a été la deuxième ou la troisième à laquelle on a répondu. N'hésite pas à regarder le replay, ce qu'on mettra en ligne sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. Sur YouTube, vous cherchez Association Médiumnité et Magnétisme et vous voyez toutes les vidéos qu'on a déjà faites, que ce soit quand on fait une petite vidéo, quand on fait participe à une fête médiévale, ou que ce soit les lives, ceux de guidance tant que ceux de débat. Donc vous pouvez le revoir, il sera sûrement en ligne demain si on galère pas trop avec Internet. Et donc tu auras, Stéphanie, la réponse pour Gérald sur le replay. La question d'après nous vient de Carole du 6 novembre. Il y a un voyage en famille l'année prochaine. Est-ce qu'il va vraiment se faire? Bonsoir, Carole. Et Jessica, honnêtement, tu m'épuises. Voilà, je ne sais plus comment le dire parce que je t'ai dit en début de live plusieurs fois, et c'est pas le premier live parce que ton nom, à force, il me reste dans la tête et je retiens pas les noms. C'est une question par personne. Là, ça fait plusieurs questions et je ne sais pas. Je sais pas, franchement, je sais pas. Qu'est-ce que je te dis? Voilà.
Désolée pour les autres qui s'appliquent, hein, mais... Oui, c'est ce que vient de dire Aurélie. Oui, j'ai vu sa question, c'est la suivante. Pour moi, au niveau du voyage, ça se fait. Il y aura un petit décalage au niveau du temps, ce qu'on avait prévu. Pour moi, ça ne sera pas vraiment dans la date où on avait convenu, parce que j'ai des impératifs, mais pour moi, on arrive quand même à le faire assez rapidement, ce voyage. Je ne vois pas un délai entre le moment que vous avez prévu et ce qui se fera où il s'écoule beaucoup de temps. Pour moi, ça va jouer, allez, une quinzaine de jours à peu près. Mais il s'effectue bien. Alors vraiment désolé encore une fois pour tous les bugs de ce soir. C'est sûrement les mauvaises ondes des gens qui ne nous écoutent pas. Hein, je ne sais pas. Non, je blague, mais ça m'agace en vrai. Autant les mauvais commentaires que les problèmes de connexion qu'on rencontre ce soir parce qu'on ne peut rien y faire. Donc regardez le replay quand il sera en ligne pour voir les réponses. Et s'il faut repasser par le site pour une question gratuite. Je suis désolée, je peux pas faire mieux là. Au pire, ils vont sur le site en question gratuite et ils disent qu'ils étaient sur le live et que ça, voilà. Voilà. Hein? De toute façon, Mathilde se rappellera de vos noms et je les ai notés dans mon cahier, attention. Alors, Oriane, j'avais bien vu ta question, seulement on en a eu beaucoup, mais ça y est, c'est ton tour. Oriane, qui est née le 7 janvier, doit-elle reprendre sa carrière de fleuriste ou sa formation, je ne sais plus, la voie de fleuriste qu'elle avait mise en pause? Alors, bonsoir Oriane. Oriane, le 7 janvier. La formation, pour moi, ça fait un petit moment que ça la travaille, mais en même temps, elle n'a pas spécialement l'envie de s'y reprojeter. Pour moi, reprendre, pour dire clôturer clairement, pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose qu'elle reprendra pour en faire vraiment un métier derrière. Pour moi, il y a autre chose, il y a une autre formation qui lui plaît davantage et qui fera que ça sera plus celle-ci où vraiment on est vraiment dans l'épanouissement, dans quelque chose où on est plus apaisé. Fleuriste, pour moi, c'est vraiment que sur un coup, un peu comme si c'était une idée du passé qu'on essayait de remettre au bout du jour. Donc pour moi, non, pour moi, ça ne sera pas là-dedans. Je réponds vite fait à Juliette parce que c'est pas de la voyance ta question. C'est bien la chaîne YouTube Association Médiumnité et Magnétisme. Je pense qu'il ne doit pas y en avoir 36. Le plus simple, c'est qu'elle aille sur le site. En bas, il y a marqué « Nous trouver sur Internet ». Ah oui. Et elle clique dessus parce que moi-même, j'ai eu du mal à retrouver ma chaîne. Alors que si elle clique sur le YouTube qui est en bas, tout à fait en bas de la page, elle ira directement. D'accord. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Pauline, Garf, tu es enfin libre. Bienvenue parmi nous sur la guidance. C'est le bordel ce soir, hein. Mais on va y arriver. Alexia, ça aurait été ton tour si j'avais une question complète, mais ce n'est pas le cas. Toutes mes condoléances. Estelle est née le 15 décembre. Est-ce que son nouveau travail qui commence lundi se passe bien? Donc... Bonsoir Estelle. J'ai juste un truc à dire. Je comprends pas parce que Philippe, je viens de l'accepter sur ma chaîne, il n'y était plus, c'est lui qui s'est viré du groupe ou c'est, est-ce qu'il a été ou c'est le groupe qui l'a viré. Je voudrais juste savoir parce que personne ne l'a viré. Non, non. Et juste savoir pourquoi il vient de redemander alors qu'il y était. Mm. Et coucou à lui quand même. Alors, je devrais réitérer ma question. Je travaille.
Ah, ok. D'accord. Au niveau du travail qu'elle commence lundi, pour moi, ça se passe bien. On a quelque chose où au départ, on est un peu hésitant, un peu dans cette notion-là, mais pour moi, on est très facilement à l'aise. On est sur un contrat qui va quand même sur la durée. C'est pas quelque chose sur du court terme pour moi. Parce qu'il y a des renouvellements, on a vraiment la notion où on fait quelque chose quelque part qui nous convient et qui rapporte surtout correctement, puisqu'on a la notion financière qui est prioritaire là-dessus. Hein. Donc pour moi, au niveau du nouveau travail, oui, c'est positif et c'est quelque chose où elle peut y aller sans problème, sans crainte, sans appréhension en tout cas. Jacqueline, je viens de voir que tu dis que tu te permets de réitérer ta question car tu as eu beaucoup de mal à commenter. Je n'ai pas vu ta question, donc tu peux la reposer. Tu la poses complètement avec ton prénom, ta date de naissance et ta question. Et c'est promis, je ne te gronderai pas parce que c'est moi qui n'ai pas vu ta question, donc repose-la. En attendant, nous avons Cathy qui est née le 11 octobre et qui demande si elle va acheter une maison. Bonsoir Cathy. Pour moi, un achat, oui, il y en aura un, mais par contre, on table plus sur l'année prochaine, parce que moi, j'ai plus quelque chose qui ressort à partir du printemps, où on trouve vraiment quelque chose qui nous plaît. Avant, pour moi, il y a des... on cherche, mais on n'a pas cette notion d'avoir ce coup de cœur, ni ça rentre pas dans les finances, ça rentre pas forcément dans ce qu'on souhaite. Donc, pour moi, oui, sur l'année prochaine, par contre. Avant, c'est plus des petites visites par-ci, par-là, mais rien de concret, en tout cas. Alors juste pour rappel, déjà bonsoir si déjà nous en jouons en cours de route. Mathilde ici présente qui tire les cartes. Donc Mathilde avec ses cheveux noirs et ses lunettes bleues. Oui parce que moi j'ai un joli pyjama Spider-Man. Et qui est transparent parce que quand tu te lèves, Sérieux? lève-toi, Oh on voit le logo derrière. Tu es transparente. Bon, ça, c'est un clin d'œil à Iseki. Mais voilà, j'ai mon joli pyjama Spider-Man qu'on m'a offert. D'ailleurs, ça me fait très plaisir parce que je suis super bien dedans, il est magnifique. Mais bon, bref, on fera un débat sur ça un autre soir. Donc, Mathilde qui est là est donc médium pur. Vous pouvez demander des consultations de voyance avec elle via le site internet. Il y a une rubrique consultation de voyance. Il y a tout qui est expliqué comment faire, 30 minutes, 60 minutes, juste une question. Et Mathilde répond, les paiements acceptés sont par PayPal. Vous pouvez venir sur place à l'association pour les consultations de voyance, ou ça peut se faire par téléphone, par Messenger. Skype, par Messenger. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise à l'écrit, ça se fait aussi à l'écrit par Messenger. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site qui est marqué juste devant l'ouvert là à peu près. Et si jamais ils trouvent pas, ils peuvent parler dans le Messenger de l'association et on leur expliquera, il n'y a pas de problème. On y arrivera. Alors, la question suivante est pour Elodie du 14 mars. Y aura-t-il une grossesse bientôt? Bonsoir Elodie. Alors, j'ai dit une grosse bêtise, je m'en excuse, c'est Superman. Je suis désolée si j'ai dit Spider-Man, comme on me le souligne en commentaire. C'est la honte. Merci Oriane.
Au moins, Oriane suit ce que tu dis. Elle est au taquet, ça fait plaisir, oui. Franchement. Ça, c'est depuis qu'elle a eu des pots de moutarde. Ça aide. Là, parler de grossesse, pour moi, c'est pas en cours. On a plus quelque chose où on est dans une relation, déjà au niveau du couple, où c'est loin d'être facile. On a une notion de soucis au niveau de la communication, des envies, de positionner les choses. On la sent, on te sent, toi, vraiment dans la démarche d'en vouloir un, mais la personne à côté, pour moi, elle est plus à freiner. Et là, la grossesse, moi, je ne l'ai pas ressortie dans le tirage. Donc, parler d'une grossesse sur les temps à venir, pour moi, c'est non. Alors, Garf a de la chance, il ne voit que ses commentaires. C'est cool, son Facebook filtre tout. Sur le live, il ne voit que ses commentaires. Comme ça, il est tranquille. Il doit trouver qu'on répond à des questions qu'on invente, peut-être, mais non, non. Alors, on a plusieurs questions d'avance, de retard. Ça dépend comment on voit les choses. Donc, ne vous inquiétez pas, Mathilde va y répondre, hein, j'ai noté. Donc, maintenant, c'est Ophélie qui est née le 4 juillet. Est-ce que ses finances vont aller mieux? Alors, bonsoir Ophélie. Pas encore. Non, il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui. Pour moi, au niveau finance, on a encore quelques petits temps de crise. J'ai un voire deux mois où c'est encore un petit peu compliqué. Mais pour moi, on arrive à remonter, on arrive à rééquilibrer progressivement les choses. Pour moi, le tout début d'année prochaine maximum, on arrive à être bien et à serrer beaucoup moins la ceinture. Donc pour moi, oui, on arrive à avoir quelque chose de mieux là-dessus et un équilibre financier surtout. Maintenant, une question de Mohamed du 18 septembre. Va-t-il obtenir son visa? Alors, Mohamed, le 18 septembre. Mohamed, du 18 septembre. Pour moi, le visa, il finit par l'obtenir. Au départ, c'est un peu compliqué. On a une notion d'administratif qui va bloquer, mais on finit par réussir à ce qu'on souhaite. Donc pour moi, il y a quand même ce visa qui finit par obtenir. J'ai encore un petit délai. On a l'impression que ça bloque au niveau des papiers, au niveau de petites choses où on est un peu réticent. Mais pour moi, la réussite, elle est quand même là sur ce visa. Alors maintenant, une question de Philippe du 1er février. Est-ce que sa mission professionnelle va-t-il la mener à terme avec brio et panache? Oh, ce sont question. Les mots qu'il a employés, donc je les reprends. Parce que des fois, je reformule, mais là, je ne pouvais pas. C'était bien. Hein. Il vient donc pas souvent. C'est un triouple avec brio et panache. Mais tout à fait. Voilà. Il ne vient pas souvent, mais quand il vient, il nous pose de belles questions. Le dernier commentaire, la liste. Je
oublié de mettre des cartes. Donc on nous voit faire des signes. Oui, oui. Pour moi, au niveau du professionnel, oui, il y a la réussite. On arrive quand même à aller jusqu'au bout de cette mission. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez long, mais quelque chose où on bouge beaucoup, quelque chose où il y a les déplacements un peu partout, mais on réussit à ce qu'on veut faire. On arrive vraiment à s'épanouir là-dedans. On a vraiment la réussite concrète dessus. Pour moi, c'est quelque chose vraiment de posé, quelque chose de positif surtout. Donc brio et panache, oui. Oui. Oh, bien. Oh, quel beau trio. La question suivante. Oui, vous avez vu tous les petits signes. On a un peu, voilà, la caméra n'a pas suivi. C'est pas grave, hein, ce soir. Bon. La question suivante concerne Massimo, qui est né le 22 février. Il a passé plusieurs entretiens professionnels aujourd'hui pour un apprentissage. J'ai oublié de noter la suite de la question. Je pense que ça doit être... est-ce que ça va être positif? Bonsoir Massimo. Tu extrapoles carrément maintenant. Je suis désolée. Franchement, j'ai honte. Il va vraiment qu'il falloir qu'on ait des orties pour que tu t'auto-flagelles en direct. Hein. Ouais, je vous gronde, mais ce soir, je suis pas mieux que vous. Mais c'est Aurélie qui te perturbe. Elle me perturbe, hein. Je dis rien, je fais rien. Bah justement. Pour moi, il y a une réponse positive dans les entretiens. Moi, j'ai quelque chose qui va tomber. On parle sur la semaine prochaine au niveau de la réponse. Les autres, on a l'impression qu'ils sont assez bloqués. C'est pas possible pour moi de prendre comme ils le souhaiteraient. Mais on arrive quand même à en avoir un qui est bien présent et qui peut enfin ouvrir les portes, surtout. Donc pour moi, oui, j'ai un homme qui ressort. Et pour moi, ça sera avec cet homme-là où ça aboutit, en tout cas. Jacqueline, oui, tu peux poser une question pour toi, si tu veux. Elle a posé une question pour son fils, et c'est ça que je te demandais. Ah, mais oui, mais c'est pas grave. Allez. Oui, mais voilà. Et Jacqueline s'applique bien dans les commentaires, donc voilà. La question suivante est pour Franck, qui est né le 8 mai. Il est famille d'accueil, le dernier accompagnement vient de s'arrêter. Est-ce qu'il aura bientôt un autre enfant? Bonsoir Franck. Donc Franck, le 8 mai. Pour moi, il y a bien un autre enfant qui arrive. On a quelque chose qui se présente là assez rapidement parce que moi, j'ai quelque chose avant la fin de l'automne. Donc pour moi, ce sera avant la mi-décembre où il y a un autre enfant qui arrive. Et pour moi, on a quand même des accords, des entretiens qui vont pas tarder à tomber. J'ai quelque chose là qui sera pour moi sur octobre-novembre pour enfin replacer un autre enfant. Donc pour moi, oui, il y a. Alors maintenant, une question de notre ami québécois, Karl, qui est né le 10 décembre. Va-t-il pouvoir aller voir ses amis en France et en Belgique? Bonsoir, Karl. Quels amis? Je ne sais pas, moi. Alors, il faudrait que tu nous donnes le prénom et la date de naissance, oui, de chacun de tes amis. Voilà, qu'on note qui sont ses amis. Oui, quand même. On va mettre un peu de hein, oh là là-dedans. Et vous reconnaissez le rire, hein, pour certains. Et oui, même si vous ne la voyez pas. Non, mais quand même. C'est méchant. Mais non, c'est pas méchant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est derrière.
Pour moi, oui, on arrivera à le faire, mais par contre, ça prend quand même du retard. On a une notion où on projette, et ça tombe assez, ça tombe à l'eau régulièrement. Pour moi, j'ai les finances qui bloquent là-dessus. Et pour moi, c'est quelque chose qui se finira par se faire, mais pas rapidement, par contre. Hein. Donc, déplacement, oui, mais au niveau temps, je ne le situerai pas parce que j'ai quand même pas mal de retard. Hein. En même temps, il ne faut pas que Karl se trompe, hein, que s'il veut venir en France ou en Belgique et qu'il n'aille pas au mauvais endroit à chaque fois. Sylvia, je viens de voir ton commentaire, mais je crois que tu l'avais déjà posé, que je l'ai zappé en fait. Donc Sylvia, qui est née le 3 août, va-t-elle le refaire sa vie sentimentale? Bonsoir Sylvia. Il y a beaucoup de questions ce soir, du coup je m'embrouille un peu, j'ai du mal à suivre, à remonter, à noter et à transmettre. Mais il y a quelqu'un en toile de fond, moi, déjà, de ce qu'on me donne dans le domaine sentimental. C'est pas toujours évident, c'est pas forcément sur la même longueur que ce qu'on espère. On arrive quand même à maintenir cette relation tant bien que mal. Mais refaire, pour moi, oui. Il y a quand même la notion de, on avance au niveau sentimental, mais on avance très méfiant, beaucoup sur la défensive, sur la réserve, avant toute chose. Mais pour moi, on réussit quand même à avoir cette relation un peu plus sereine. Maintenant, une question de Mathias du 21 février. Va-t-il rencontrer l'amour de sa vie prochainement? Bonsoir Mathias. Cupidon chasseur va-t-il frapper chez lui? Pour moi, au niveau relation, on a quand même quelque chose où on attend sur le passé. Il y a beaucoup de regards sur ce passé qui empêchent vraiment d'avancer dans quelque chose vraiment concret et posé. Pour moi, il y a un travail qui se pose. Ensuite, j'ai quand même une notion de relation qui arrivera, mais par contre, cette relation, elle est plus sur le début de l'année prochaine. Moi, j'ai tendance à être entre janvier et mars là-dessus, où on arrivera à trouver quelqu'un et où il y a vraiment ce coup de cœur, vraiment cette notion d'amour en tout cas. Donc il va falloir encore patienter un petit peu pour moi. Sylvia dit qu'elle n'a pas tout entendu parce que ça a coupé. C'était juste avant. Est-ce que tu sais redire en deux mots ou Alors, pas? je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un dans sa vie qui était en toile de fond, quelqu'un qui était présent, une relation qui n'était pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours les mêmes idées, la même longueur d'onde, mais on finit quand même par réussir à trouver une certaine stabilité. Et sinon, comme on vous disait tout à l'heure, parce que ce soir, on se rend bien compte qu'on a des problèmes avec notre connexion Internet, passez par le site sur la question gratuite en disant que vous étiez sur le live, que Mathilde vous a répondu, mais que ça a coupé, et si elle veut bien vous re-répondre. Toujours en étant poli, en remplissant bien tout ce qu'on vous demande, hein. Sinon, attention. Une question maintenant de Corinne du 10 avril. Trouve-t-elle un travail fixe? Bonsoir Corinne.
Je la ressors pas à son travail. On a toujours des petites choses par-ci, par-là. Par contre, quelque chose qui enfin se fixe, pour moi, il va falloir attendre le printemps prochain. Avant, on reste plus sur de l'intérim, des petites missions à droite, à gauche, avant de vraiment poser clairement les choses et avoir cette transformation. La transformation, elle finira par intervenir, mais il y a cette notion de temps quand même. Donc pour moi, printemps, mars, avril, oui, il y a quelque chose de plus posé. Avant, j'ai pas grand-chose de posé. Alors une question d'Angélique maintenant. Angélique est née le 22 août. Elle demande si elle se réconcilie avec sa famille, avec qui ça va pas très bien depuis au moins un an. Bonsoir Angélique. On a vraiment des forts caractères là-dedans, pas beaucoup de remises en question. On a l'impression qu'elle est la seule à batailler pour vraiment reprendre les choses. Pour moi, il y aura des petites choses, mais vraiment plus par politesse, par on reste dans une courtoisie plutôt que vraiment de renouer clairement des liens. Les liens, pour moi, ça bloque et on n'a pas d'effort de l'autre côté, pas de remise en question. Et on n'est pas dans cette envie spécifiquement non plus. Attention, hein. Alors, Éléonore est née le 7 juillet, elle a postulé un travail, va-t-elle avoir un retour positif? Bonsoir Éléonore. Je vois que la carte de Ghost est sortie. Oui, ça fait plusieurs fois ce soir qu'il y en a. C'est une carte qui a été mangée par le chien. Pour moi, il y a encore autre chose à postuler, hein, parce que là, on n'a pas la notion où ça bouge tout de suite, hein. Pour moi, il y a une notion où on fait miroiter, où on fait pourparler plus qu'autre chose. On a autre chose qui va s'ouvrir à elle. Pour moi, il y a une autre candidature à effectuer pour pouvoir enfin avoir l'emploi qu'elle souhaite et se retrouver surtout. Donc, pour moi, il faut patienter un petit peu encore et refaire d'autres choses. C'est pas celui-ci. Pour moi, il y a autre chose après. Alors Mathias, c'est pas de bol, c'est moi qui vais répondre à ta question. En général, c'est pas bon signe. Mathilde a déjà répondu à une de tes questions. C'est une guidance gratuite. Mathilde prend du temps, de l'énergie, blablabla. J'ai déjà dit au moins 3 fois depuis le début du live. Donc c'est une question par personne. Alors, savoir si tu vas bientôt partir de chez tes parents, ça ne tient qu'à toi. Si tu en as vraiment envie, donne-toi les moyens d'y arriver. Si tu tiens vraiment à ce que ce soit Mathilde qui te fasse une réponse qui te conviendra peut-être pas mieux, mais tu peux passer sur le site internet qui est indiqué devant nous. Il y a un endroit tirage G gratuit. Tu poses une question précise en remplissant bien toutes les infos et Mathilde te répondra brièvement par mail. Sinon, il y a la question à 5 euros avec une réponse plus poussée. La consultation de voyance en 30 minutes ou 60 minutes, c'est au choix. Et s'il envoie une question gratuite, qu'il pense bien à appuyer sur le petit bouton pour avoir le tirage oui. qui va avec. Il faut mettre son prénom, l'adresse mail, le tirage de carte, la question, enfin tout. Vraiment, si on lit le truc, c'est assez bien fait, franchement. Il faut juste prendre le temps de le lire. Une question maintenant de Jacqueline, qui est née le 13 juin. Suite à une séparation houleuse, va-t-elle enfin retrouver la paix, la sérénité et les harcèlements vont-ils s'arrêter? Donc bonsoir, Jacqueline, Jacqueline, le 13 juin. Je ne sais pas qui est Léonore, mais bisous à toi aussi. Bisous, bisous.
Enfin, je sais qu'on t'a répondu, hein, mais... Pour moi, ça finit par s'estomper, les harcèlements, enfin toute cette colère qu'il peut y avoir. Par contre, il faut vraiment que tu attendes la fin d'année pour avoir cette paix, cette sérénité. Parce que pour moi, même si ça descend, que c'est moins présent, ça ne sera pas un arrêt total pour moi avant décembre. À partir de décembre, là, ça va être possible de souffler et de se dire « enfin, on est tranquille ». Mais pour moi, on part tous les bouts, on essaie d'embêter le monde et jusqu'au bout... pour vraiment montrer qu'on a réussi quelque part. Donc, au niveau de la séparation, tu vas pouvoir vraiment passer après à autre chose, mais attends vraiment décembre avant tout. Mais pour moi, après, ça sera positif. Maintenant, la question de Jessica, qui est née le 6 mars. J'espère, Jessica, que tu es encore en live avec nous et que tu vas pouvoir entendre la réponse. Donc, Jessica est née le 6 mars, son amie très proche, hein, une très très bonne amie, Marie-Josée, née le 4 décembre. Est-ce que l'amitié dure ? Jessica. Alors, Jessica. Pour moi, c'est une amitié qui dure. On a une amitié qui peut être limite associée à la relation de deux sœurs parce que c'est vraiment quelque chose qui est relativement proche, relativement, on pourrait dire quelque part fusionnel, quelque part, mais c'est pas vraiment dans la fusion proprement dit. On est soudés, on est vraiment à être constamment en contact, mais on a quand même un peu sa vie de chaque côté. Donc, pour moi, on a cette relation qui perdure. Alors, il est 23h10, il nous reste 5 minutes de live, ça a été houleux, enfin le bazar dans tous les sens, tant dans les commentaires que dans la technique que dans mes réponses, mais ça va, on a réussi à tenir, donc il reste 5 minutes, a priori, Mathilde a répondu à toutes les questions, en tout cas à toutes les questions que j'ai vues, donc s'il y en a une qui est passée à la trappe, remettez-la, toujours avec le prénom, la date de naissance et la question précise, parce qu'il se peut que j'ai raté des commentaires, hein, c'est possible. En attendant, je vous rappelle que Jacqueline commente qu'elle n'est plus à quelques mois près, ça fait 3 ans que ça dure. Voilà. Courage Jacqueline. Donc le 27 octobre, nous serons à Saint-Paul au marché local dans l'Oise, un petit marché de village sympathique, dont nous avons apprécié la générosité et l'aide des commerçants dimanche dernier. Jeudi 31 octobre, il y a la Samin, donc c'est ce qu'on appelle les journées rencontres, même si là, ce sera à partir de 18h. Là, c'est une soirée rencontre. Oui, mais je voulais pas le dire comme ça, parce que bon, c'est une journée rencontre le soir, autour d'un petit apéro, un repas dans le thème de la Samin, donc avec beaucoup de citrouilles. Et ensuite, le live débat qui risque d'être peut-être un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, on va bien se marrer. Et après, il y a encore le marché de Saint-Paul, la permanence, d'autres marchés, les marchés de Noël, etc., etc., plein de choses. Sur notre page Facebook, Association Médiumnité Magnétisme, les événements sont annoncés. Sur le site internet, il y a pour les consultations de voyance, les tirages de cartes, les formations, tout ça. Fouillez le site, c'est vraiment une vraie mine d'or. N'hésitez pas. Alors, je vois qu'Aurélien a écrit un commentaire. Bonsoir Aurélien. Mais c'est toujours la même question à chaque fois, je vais rouvrir pour la prochaine fois. Aurélien, si tu veux, là, tu as 2 minutes, écris ta question, si tu veux. Voilà, dit comme ça, c'est chelou, oui, une soirée rencontre, c'est... Voilà, c'est pour ça que j'ai dit une journée rencontre. Hein. Donc Aurélien, oui, pose ta question, si tu veux. Ceux auxquels on n'a pas répondu, reposez vite vos questions. Et on va essayer de faire ça bien quand même, de finir correctement.
S'ils sont sages, on leur fera un live quiz dessin animé qui est prêt à être mis à n'importe quel moment. Oula. Et même un quiz karaoké, je voulais tester. Mais... Exact. Enfin, pas un quiz, pardon, un karaoké. Un karaoké. Tout ça. Mais j'ai prévu que trois questions, enfin, que trois chansons, parce que j'ai peur que Facebook nous vire sauvagement. Et n'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur le live de jeudi dernier, par exemple, qui était un live un peu différent, on va dire, au sens où nous avions eu une invitée qui était Roselyne, qui est venue nous parler de son oracle Ro qu'elle a créé elle-même. Elle a entièrement dessiné, elle est en train de voir pour le faire imprimer carrément. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous auriez vu mieux, ce qui ne vous a pas plu, etc., etc. Encore une question bête de Jacqueline. Jacqueline, il n'y a pas vraiment de question bête. Dans la pièce, nous sommes aujourd'hui trois Français et une Belge qui se cache. Mais nous sommes Français. Qui est actuellement à l'étranger. Mais oui, nous sommes Français. Mathilde, par exemple, on peut dire d'où tu es, Mathilde ? Oui, à côté d'Amiens. Voilà, Mathilde est Picarde. Et nous, on peut dire d'où on est aussi. On est Bordelais et fiers de l'être. On s'est perdu dans l'Oise, ne nous demandez pas pourquoi. Mais voilà, on s'est perdu dans l'Oise sous la pluie. On aime beaucoup la région, il y a juste qu'il pleut trop pour nous. Il pleut vraiment beaucoup trop. Mais sinon, c'est chouette comme endroit. Mais on n'est pas très loin de la Belgique, on a 200 km à peu près. Hein. Alors, Aurélien, as-tu... Non, Aurélien n'a pas écrit sa question. Tu veux la poser? Tu ne veux pas la poser? Moi, apparemment, on n'en a raté aucune question ce soir. Parfait. Il nous reste une minute, que faisons-nous? Attention. Ah, je sais pas. Suspense. On pourrait parler de NATO. Non, mais apparemment, pour les questions, c'est bon. Hein. Bah, je pense que pour la minute qui reste... Elle se cache. Pour la minute qui reste, on pourrait presque. Mais quoi, pourquoi elle se cache? C'est pas gentil. Regardez, regardez qui est là, voilà. Attendez. En direct attends, avec voilà. Nous. En direct avec nous, Aurélie qui se cache. Oh, bravo Aurélie. Je suis en pyjama. Et oh, alors, elle est en pyjama, parce que moi Dieu. Je suis comment? Elle n'est pas maquillée. Mais toi aussi ça te va bien. On va se faire des compliments. Voilà. Mais. Le live, Jacqueline, si tu l'as pas vu, celui de jeudi dernier, pardon, il est en rediffusion libre sur YouTube. Donc tu vas, soit tu es très très à l'aise avec YouTube, ce qui n'est pas mon cas, et tu tapes Association Médiumnité Magnétisme et tu arrives à nous trouver, oui. Comme l'a fait tout à l'heure la jeune femme, je ne sais plus son prénom, peut-être Juliette, je ne sais plus. Soit tu vas sur notre site internet et tout en bas il y a écrit genre nous retrouver sur internet et il y a le truc de YouTube, tu cliques dessus et tu arrives sur notre chaîne. Le petit logo. Le petit logo, voilà, c'est parce que j'ai des trucs et des machins. Voilà. Donc ouais, sur le site internet il y a tout et donc sur la chaîne YouTube on met tous les lives qu'on fait. Alors il va pas arriver de suite hein, parce qu'il nous faut le temps de l'enregistrer, le transférer, etc. Peut-être qu'il sera là que demain dans la journée, mais il y sera. Et celui de jeudi dernier, il y est déjà. Bah sinon, il est sur... pour l'instant, il va être sur notre groupe, sur le groupe des lives, jusqu'à que je le transfère. Hein, oui, ça, mais celui de jeudi dernier n'est plus trouvable sur Facebook. Ah, regardez Oriane qui nous dit qu'elle aussi, elle sort en pyjama, elle n'a pas de problème. Alors, pour tout vous dire, Oriane, je suis allée tout à l'heure au kebab dans ma tenue donc Superman. Et oui, les pyjamas sont très confortables. Je sens que ce live va finir en papotage. Hein. Mais on va peut-être le couper et en faire un autre. On peut aussi. Est-ce que vous voulez qu'on coupe et qu'on en fasse un autre? Oui, pour pas faire, voilà, pour faire un peu le live sérieux de l'association machin bien. Et puis après, bon. Le temps qu'on mette une autre chaise pour que Aurélie s'y mette. Oui. Et puis voilà. Puis qu'on aille pisser un coup, boire un truc. Voilà, quand même, on est des humains. Hein. Même si tu es Superman. Oui. Oui, mais attention, j'ai mes lunettes. Ah, vas-y, transforme-toi en lunettes. Bon, ben, on va vous laisser et on revient peut-être dans quelques minutes. Ah, ben, apparemment, on est acclamé. Hein. Carl dit oui, s'il vous plaît. Pauline dit oui, un autre. Comment je fais bien? Ok, Oriane dit oui. Et pour pas mettre sur. Et puis on revient. À tout à l'heure. À tout à l'heure, soyez au taquet.